la barre fixe, Sébastien Darriga. Voilà, le dernier donc a passé à la barre fixe. Pour l'instant, ça a été brillant pour Pelard, excellent pour Foujade, super bon pour Casimir. J'espère que Sébastien Darrigade va nous offrir un dernier récital acrobatique qui marquera la fin de ce championnat de France, même s'il n'obtient pas de médaille, je pense de bronze, mais je pense aussi que Pelard et Foujade sont devant. C'est un gymnaste de toute manière superbe, avec d'une élégance rare. C'est un des plus beaux gymnastes mondial actuellement. Hein, mondiaux, pardon. Mondiaux, oui. On peut ça ira dire. Mieux comme ça. Il se prépare là pour la sortie. Il n'a pas fait. Et malheureusement, ça c'est dommage. Il manque sa sortie, il fait la roulade d'avant. Ouh là 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 là, pauvre Sébastien. Aïe 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 aïe. Comment peut-on terminer un championnat de France comme cela sur une chute en sortie? Pratiquement, alors que le lâcher de barre était magnifique et très haut. Alors, ça va faire bien sûr le bonheur de ses camarades, mais je crois qu'il se craint énormément à cause de son genou sur les réceptions, ce qui l'a handicapé énormément. Alors, il fallait à Sébastien un 8,90 pour monter à égalité sur le podium avec Éric Foujade et Bernard Pelard.